Le fusil Springfield modèle 1861. Dérivé du fusil minier français de 1850 et tirant le même type de balle minier cylindro-conique. Le fusil militaire nord-américain Springfield modèle 1861 correspond au type d'arme appelé aux États-Unis rifle de musquette, arme d'épaule à un coup, se chargeant par la bouche à canon rayé et à mise à feu par percussion. Reconnu pour sa solidité, sa fiabilité et sa précision à longue portée, le fusil militaire Springfield a été l'arme la plus utilisée par le Nord pendant la guerre de Sécession. Et a été produit en masse, environ 1 million d'exemplaires. Première arme d'épaule produite en masse par les États-Unis. Le Springfield modèle 1861, fusil standard des nordistes pendant la guerre de Sécession, ne fut pas détrôné dans l'infanterie par les armes à répétition. Notez la longueur du canon, tenu au fût par 3 grenadières, et l'attache typique de la courroie, au-dessus du pontet. Description du fusil Springfield modèle 1861. Le canon, rayé, de calibre 58, 15 mm, mesure 1 mètre de long. La longueur du fusil total est de 140 cm et son poids de 4,1 kg. Entre les mains du soldat tout venant, quelque peu entraîné au tir et doté d'une vue normale, le Springfield modèle 1861 est efficace sur une cible de la taille d'un homme debout jusqu'à 400 yards, soit 370 mètres. Mais entre les mains d'un tireur d'élite, l'association de son canon rayé et de la balle minier rend le Springfield dangereux jusqu'à 900 ou 1000 yards, soit 820 ou 910 mètres. Novembre 1864, ces deux soldats de l'USCT récemment enrôlés ont été dotés chacun, non pas d'un Springfield, mais du fusil Enfield Pattern 1853 de fabrication anglaise. Moins valorisé dans l'US Army que le Springfield. Il pose pour le photographe à Dutch Gap, sur la James River en Virginie. Les baïonnettes sont fixées, mais les chiens des fusils ne sont pas armés. La baïonnette est du type à douille, la lame a une section triangulaire. Le chargement de 60 grains soit, 3,9 g, de poudre noire puis de la balle s'opère par la gueule du canon. La balle minier, en plomb, lubrifiée et de diamètre légèrement inférieur au calibre 58 glisse plus facilement dans un canon propre que la balle sphérique calibre 69. Le tireur pose ensuite une capsule de cuivre contenant un mélange détonant de fulminate de mercure sur la cheminée et tire le chien en arrière. L'arme est alors chargée et armée, prête au tir. Lorsque le tireur appuie sur la queue de détente, le chien se rabat sur la capsule, l'étincelle atteint la poudre noire qui détonne. Les gaz propulsent la balle dans le canon, la base creuse de la balle s'élargit, et les jupes de plomb épousent les rayures du canon. Aucun gaz ne fuit entre les parois du canon et la balle, le rendement est maximum. De plus, les rayures en pas de vis du canon impriment au projectile une rotation qui, associée à sa forme en obus, lui donne une trajectoire tendue et précise. Le fusil militaire Springfield modèle 1855 ou 1861 n'est plus seulement un manche de baïonnette mais une arme précise et létale à grande distance. La balle minier sera responsable des 3/4 des blessures graves infligées pendant la guerre de Sécession. La cadence de tir du rifle de musquette reste cependant un gros problème. La complexité et la longueur de l'opération de chargement du fusil par la bouche restreignent la cadence de tir à 2 coups par minute, voire 3 coups par minute entre des mains entraînées. De plus, après 1 ou 2 coups de fusil tirés posément contre un régiment qui avance en rang serré, le soldat armé d'un rifle de musquette ne peut plus que charger frénétiquement et décharger en urgence ses 3 coups par minute, sans prendre le temps de viser correctement. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi est parvenu à faible distance, la majorité des soldats oublient de corriger le tir en visant très bas, d'autant que la mire arrière est graduée pour 300 et 500 yards et que le gros projectile du Springfield a une trajectoire, en arc-en-ciel. Les balles tirées de tout près passent alors souvent au-dessus de la tête des ennemis, surtout dans le cas d'un tir de salve. Après 2 ans de guerre, la nécessité d'armes d'épaule à répétition est devenue évidente, et le fusil Spencer qui apparaît alors est réclamé par les soldats eux-mêmes. L'extrémité inférieure de ce fémur a été touchée, au-dessus du genou, par une balle minier.
De calibre 58 tiré, selon la légende de la photo, par un Springfield. Vu les dégâts, le blessé a dû être amputé à mi-cuisse sans délai, mais a-t-il échappé à la gangrène ? Durant l'été 1861, au début de la guerre de sécession et en particulier lors de la première bataille de Bull Run. Même le Springfield modèle 1855 était rare dans l'US Army, et la troupe était le plus souvent dotée du Springfield modèle 1842 à percussion, voire d'un fusil encore plus ancien. Le modèle 1816 dont la batterie à silex avait été convertie en système à percussion. Ces deux fusils, avec leurs canons lisses, de calibre 69, et leurs projectiles sphériques, efficaces jusqu'à 100 yards au maximum, étaient bien inférieurs en performance aux fusils Enfield Pattern 1853 des Confédérés. Par ailleurs, les sudistes, qui ont capturé le matériel de l'arsenal de Harper Ferry, produiront des variations du Springfield dans leurs arsenaux de Fayetteville en Caroline du Nord et Richmond en Virginie. Par la suite, de plus en plus de régiments furent dotés du modèle 1861. La Springfield Armory de Springfield du Massachusetts mit en route de nouvelles méthodes de production industrielle de masse et fit même appel à la sous-traitance. Une vingtaine d'armureries artisanales travaillèrent avec le cahier des charges de la Springfield Armory. Cet effort sans précédent aboutit à la production de plus de 1 million d'exemplaires du Springfield, ce qui n'empêcha pas l'Union d'acheter en outre à l'étranger des fusils, comme le fusil Lorenz autrichien. Le Springfield modèle 1861 a été novateur sur deux plans. En tant que produit périssable, malgré sa solidité, il a été livré par l'industrie en quantité énorme et a été un enjeu économique pour les entreprises capitalistes. Il coûtait $20 pièce, et en tant qu'arme létale à grande distance, il a modifié, ou aurait dû modifier, les stratégies de combat et a été l'un des éléments qui ont fait de la guerre de sécession la première guerre moderne. Les généraux, faute d'avoir intégré les nouvelles stratégies, et faute de fantassins bien entraînés au tir, n'utilisèrent pas à fond les qualités de précision à longue portée du Springfield. Ils continuèrent à privilégier le feu massif délivré à faible distance, suivi d'un assaut et d'un corps à corps final. En ce qui concerne tout au moins l'infanterie, le Springfield ne fut pas détrôné pendant la guerre de sécession par les nouvelles armes à répétition comme le fusil Henry et la carabine Spencer. Sa solidité et l'esprit d'économie des stratèges pousseront même à le faire transformer en différents modèles d'armes à chargement par la culasse, mais à un coût. Fin décembre 1866, sur le territoire de l'actuel Dakota du Sud, pendant la guerre de Red Cloud, un épisode des guerres indiennes, la plupart des troupiers bleus de William J. Fetterman est encore armé de Springfields à percussion quand leur chef cède aux provocations des Indiens et ordonnant qu'on se lance à leur poursuite. Les Indiens en nombre bien supérieur leur tendent une embuscade, et ils se jettent sur eux dès que les Blancs ont tiré leur volée. Le retentissement put dans le public le « massacre Fetterman » poussera l'US Army à doter ses soldats du Springfield modèle 1866, une transformation du modèle 1861. Les variations sur le thème du Springfield modèle 1861 auront pour dernier aboutissement le modèle 1888. Le 25 juin 1876, lors de la bataille de Little Bighorn, la carabine de cavalerie Springfield modèle 1873, une descendante du Springfield modèle 1861, démontra une fois de plus l'infériorité des armes à un coup contre un assaut de masse. Apparemment, la leçon ne fut pas retenue par les états-majors. La descendance du Springfield 1861 à un coup subsista jusqu'au début du XXe siècle. De nos jours, le Springfield modèle 1861 est très recherché comme relique par les collectionneurs et comme arme de tir par les tireurs à poudre noire. Il est précis, solide, fiable. Comme il est cher, des firmes, Parker Hall, Pedersoli, Army Sport, Euro Arms, en produisent des copies. Culture populaire. Dans son livre de souvenirs Little House on the Prairie, La petite maison dans la prairie, la jeune Laura Ingalls décrit comment son père, dans les années suivant la guerre de sécession, charge son fusil à poudre noire et le nettoie longuement au retour de la chasse. Le film Cold Mountain, Retour à Cold Mountain, 2003, d'Anthony Mingle montre largement le Springfield.
Dans le film Springfield Rifle, la mission du commandant Lex, 1952, d'André de Tasse dont le slogan est « The gun that made one man the equal of five ». Le fusil qui fait d'un homme l'égal de cinq. Le personnage joué par Gary Cooper utilise en fait une carabine de cavalerie Spencer à répétition, nettement visible sur les affiches reproduites par IMDb, et non pas un Springfield. Dans la série TV South Park, lors de l'épisode It Is a Jersey Scene, des citadins s'armant avec des Springfields à poudre noire et des Winchester 1894 contre les envahisseurs venus du New Jersey. Ce n'est pas avec un Springfield 1861 que ce jeune reenacteur contemporain habillé en « soldat bleu » tire, mais avec l'arme type des Confédérés, le fusil Enfield Pattern 1853, d'ailleurs très peu différent, et de même calibre. L'Union avait acheté 200 000 Enfield à la Grande-Bretagne. Notez l'abondante fumée sortant du canon, ainsi que celle émise vers le visage du tireur par la cheminée de la capsule à base de fulminate de mercure.